Tu as passé de bonnes vacances ? Je me suis ennuyé pendant que vous vous amusiez ici au QG de l'Ordre. On ne s'est pas vraiment amusé. On a surtout fait du ménage pour maman. Madame Weasley a une sorte de passion pour le ménage. Tu veux bien m'aider ? Je dois placer tout ce qui est dans la pièce contre le mur pour que maman puisse nettoyer le sol. Tu sais, Harry, tu n'es plus chez les Dursley. Tu peux utiliser la magie. Je te conseille les sorts Axio et Repulso. C'est pratique, mais je n'ai pas appris ces sorts. Observez-moi. Pour déplacer un objet, il faut d'abord viser, puis lancer le sort. À votre tour. Ça ira plus vite comme ça. Et j'aurais peut-être même fini avant le dîner. Ça irait encore plus vite si tu lui apprenais aussi le sort Repulso, Sirius. Repulso ? Pourquoi pas ? Tu dois viser, faire ce geste avec ta baguette et prononcer Repulso. Allez, essaie. Ça y est, vous avez compris. Allez, finissez le travail. Donc on doit mettre là-bas tout ce qui se trouve ici. C'est ça. Allez, on doit tout déplacer. Action ! Merci. Maman me laissera peut-être souffler 5 minutes. Tu as vu Ron ? Ou Hermione ? Maman a mis tout le monde au travail. Ils sont quelque part. Allons les chercher. À plus tard, Ginny. Les tiennes ont sûrement été plus amusantes. Moi, j'étais coincée chez les Dursley. Dumbledore nous a fait jurer de ne pas t'écrire. Il pensait que ça valait mieux. Il était furieux quand il a appris ce qui s'est passé avec les Détraqueurs. Si je n'avais pas dû rester chez les Dursley, ça ne serait pas arrivé. Molly, t'as confié des tâches ménagères à toi aussi, Hermione ? Je dois réparer ça. Alors nous allons t'aider. Le sort qu'il nous faut, c'est un réparo. Tiens, regarde-moi. Vise l'objet qui est cassé. Ensuite, bouge ta baguette comme ça et dis « Réparo !» Très utile quand tu abîmes accidentellement la propriété de l'école. Réparo ! Réparo ! Réparo ! Réparo !
parents! Les parents! Cette maison est une vraie poubelle. Peut-être que si quelqu'un est des créatures... Créature refuserait qu'un autre elfe souille la maison de sa chère maîtresse. Qui est créature? Un ignoble elfe de maison. Tes autres amis ont sûrement envie de te voir. Allons les trouver. Qu'est-ce qui s'est passé avec les détraqueurs? Je te croyais en sécurité chez les Moldus. Une chance que Lupin t'a pris le Patronus. Ouais, tu parles d'une chance. Je vais sûrement me faire renvoyer de Poudlard pour avoir empêché un détraqueur de m'embrasser. Tu seras très vite de retour à Poudlard. Pas sûr, vu le temps que je mets à faire mes bagages. On va te donner un coup de main. C'est tout simple. Il suffit de... faire ce mouvement de baguette. Wingardium Leviosa. Et quand tu veux le poser, brise le sort. Merci. Je ne sais pas comment j'ai pu mettre autant de pagailles. Donc ça a dû m'aider à faire ma valise. Au fait, Hermione a étudié la question. Ils ne peuvent pas te renvoyer. Ah ouais? Qu'est-ce que ces détraqueurs faisaient là? C'est une très bonne question. Les autres sont quelque part dans la maison. Tu devrais aller leur dire bonjour. Je dois aller à une réunion de l'ordre. Toi, reste avec tes amis, Harry. On devrait prévenir les autres pour la réunion. Je me demande de quoi ils vont parler. Je me demande si cette réunion est importante. Allons voir les autres. Oreille à rallonge. Une de nos inventions. Comme ils ne nous laissent pas assister à leur réunion, on a trouvé un autre moyen d'écouter. Ça ne marchera pas. Ils ont jeté un sort d'impassibilité sur la porte. On doit placer les oreilles à rallonge. Harry, tu peux nous dégager le chemin? Oui, bien sûr. Thank you.
Bien joué, Harry. C'est bon, on s'occupe du reste. Tu peux remonter. D'accord. Vous avez remarqué qu'Hagrid n'est pas là ? Il est sûrement en mission pour l'ordre. Moins fort ! Attention, George, ou il te donnera une retenue. Apparemment, Ruzard fouille les élèves. Et nous possédons quelques objets que nous préférerions qu'il ne trouve pas. Comment faire ? Il est un peu idiot, non ? Je jure solennellement que ce n'est pas le plus intelligent. Ah oui, la carte du maraudeur. L'été s'est bien passé ? Enfin, à part l'audience au tribunal et cette histoire d'expulsion. C'est un badge des tornades. Tu fais partie de leurs supporters ? Oui, un de ces jours, Harry. Les gens ne soutiennent les tornades que depuis leur victoire en championnat. Allons à la salle commune.
Je le connais pas. Et toi? Je croyais que tu le savais. Tu es préfet, non? Ouais, ça avait un rapport avec un... je sais plus. Ils nous ont dit des tas de choses, alors... Super. Et comment on entre? On n'entre pas sans mot de passe. Ouais, c'est ça. Viens. Cherchons un élève de Gryffondor qui nous donnera le mot de passe. Salut! Tu connais le mot de passe de la salle commune? Le préfet ne le connaît pas? Ne t'en fais pas, on est toujours ravis d'aider un Gryffondor. À ce propos, que fait ce Serpentard? Fiche-moi la paix! Ah, je crois qu'on a besoin de nous. Non! S'il vous plaît, te mêle pas de ça, Weasley! Bon, tu peux choisir de te battre. Mais parfois, c'est plus amusant de faire autrement. Et maintenant ta récompense. Le mot de passe est Mimbulus Mimbletonia. Mais ne le répète pas à n'importe qui. À un préfet par exemple. Mimbulus Mimbletonia. Correct. C'est incroyable, non? Ouais, double cours de potions un lundi. J'arrive pas à y croire. Il faut trouver Neville. Il n'a pas dû regarder l'emploi du temps et on a cours de défense contre les forces du mal avec Ombrage.